voiture pour tout achat d'une Fiat neuve. Venez découvrir également la nouvelle lanterne quartier Fondalier, 48300 Langogne, téléphone 66 69. C'est une italienne. Oui, on est déjà. Le 661, ensuite, Richter-Ressig sur Maine. On sera suivi du 660 pour les quatre à l'Orient de l'U. Il sera suivi par le 636, Nicolas Kibou.
Assurcion Ténéré 88. Alors, sur un Suzuki 600R, aux couleurs de... Je vais demander de voir qui est politique au niveau des motos. Tant mis le boîte de Coca-Cola sur Paris-Dakar. On vient de passer là, à la place des camions. Alors que André Corot, encore quelqu'un du Team Co. Présente également sur le Dakar. Ah, voilà. Régis 71. Le 534. Il a l'air d'avoir un peu de forme. Oui, c'est un régional. Tout à fait. Nous sommes un peu de forme, mais c'est trop facile. Nous sommes un peu plus difficile, on ne participe pas. Voilà, je voulais vous dire à Martial que nous rendons l'antenne et qu'il reste bien sûr avec nous, car nous attendons bien sûr André Darniche. À tout le monde. Le 536, c'est chaud. La 537, c'est grave. Delta Litre, vous avez bonjour monsieur Chauvet. Le 18, c'est à ses côtés, la même Fiou qui était un motard belge. Alors, Malcolm. Il y a plus de place pour je l'appelle. Il y a les malices derrière, ils sont vraiment partis pour un long périple. Les Autrichiens sur Forest Consignment, vraiment. Remy Sebane, Jean-Michel Pain, au Dakar. Fauché peigne sur Patrick Fauché et qui peigne sur Range Rover en couleur rigole. A réalisé hier le quatrième temps, le problème sur son quad, il est. C'est le plus jeune pilote de Paris, il n'a que 18 ans. Il est. Ah, il y a une rectification, alors moi j'ai eu le quatrième sur la presse. Bon, il est champion d'Europe, il a été troisième à la Canel, c'est ça. Tout part très très bien, vous allez créer un surprise. Ça part très bien, mais c'est pas de ça pas vraiment réfléchi sur comment. Oui, on me dit que ces trucs-là, ça monte à combien en fait. C'est comme c'est bien. Ça, mais ça va déjà bien, ça va sauter, mais ça saute pas trop. Oui, enfin voilà, il faut être spécialiste après pour conduire de tels appareils. C'est Joël Montou, donc.